quand je pense qu'elle m'a dit qu'ils étaient partis se ressourcer dans un ashram. T'as pas senti qu'elle te baladait ? Ah si, tout de suite, bien sûr. Mes parents sont pas faciles, mais à côté d'eux, c'est des anges. Hein. Attends, pour Patrick et Babette, c'est un vrai cauchemar, les deux-là. Parce qu'ils sont dans leur monde et qu'ils en ont rien à foutre de personne. Ils en ont peut-être rien à foutre des autres, mais... tous les deux, ils s'aiment. Regarde-les. On intervient ? Ben non. Ils sont partis pour se faire un câlin, là. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, alors ? C'est gênant de débarquer maintenant. Le problème, c'est que si on attend qu'ils aient fini, on en a pour 2 heures, là. Je pense pas que, à son âge, Pépère soit aussi vigoureux, hein. Si. Ah, tu les connais pas. Je veux dire, ils font l'amour tous les jours. Je veux dire, en plus, ils font des trucs bizarres. C'est l'amour tantrique qu'ils appellent ça. Je veux dire, lui, il commence, il lui caresse les épaules, ça dure des plombes, et après, il passe à la poitrine. Ok, on y va. Non, bah, non, c'est trop tard. Ok, bah attends, on va pas rester là, les regarder. Je sais pas, on regarde ailleurs, alors. T'as vu qu'ils fassent pas de bruit. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'ils en font ?